Merci à tous d'être venus si nombreux écouter Roberto Saviano. C'est un honneur pour notre ville de l'accueillir. Il est venu à Paris et la seule ville en dehors de Paris où il se rend, c'est ici. Donc merci beaucoup à Françoise Rossino et Astrid Canada qui, une fois de plus, font l'événement à Nancy. La littérature a toujours été, a souvent été un combat. On connaît Voltaire qui s'était opposé à l'État dans de grands combats. Je crois que c'est encore plus difficile quand on s'attaque à la mafia et aux réseaux souterrains. C'est parce que le combat est beaucoup plus pernicieux, caché, sombre, et parce que les choses ne sont pas évidentes, la noirceur est cachée, il faut aller la chercher, il faut la débusquer, et c'est ce que fait Roberto dans toutes ces années, mais il le fait à travers une littérature extrêmement belle, avec des romans magnifiques, dans lesquels il arrive à montrer comment les personnages vivent, quels sont leurs codes très particuliers de l'honneur, quelle est leur morale, comment la perversion de la morale s'impose, comment elle se transmet. Et à travers ses romans, il décrypte extraordinairement bien les tréfonds de la société napolitaine et de la société italienne. Et au-delà de ça, il nous montre comment dans nos sociétés, nous pouvons aussi avoir parfois des populations, des quartiers, des villes qui dérivent. Donc c'est une leçon qu'il nous donne. Et comme il a voulu le rappeler dans sa préface à Gomorra, le dernier roman qu'il a réédité, il montre aussi quelle est la part de l'humain dans l'homme, et il veut sauver la part de l'humain dans l'homme. Donc il veut sauver l'humanité. Et donc c'est un grand étendard de la littérature universelle que nous accueillons aujourd'hui. Et je lui donne immédiatement la parole, car c'est lui que nous sommes venus écouter. Merci beaucoup, Monsieur Saviano, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour cette introduction. C'est effectivement un immense honneur et un plaisir d'accueillir Roberto Saviano, puisqu'aujourd'hui, nous n'accueillons pas simplement l'homme engagé, le journaliste, l'auteur de Gomorra que chacun connaît, mais aussi un romancier d'une très grande qualité. Ceux qui l'ont lu s'en sont rendus compte, ceux qui le liront auront le plaisir de le découvrir, puisqu'avec Piranha, publié aux éditions Gallimard, Roberto Saviano, évidemment, nous emmène dans ce domaine qu'il connaît si tristement bien, qui est celui de la mafia napolitaine, mais il nous y emmène par des chemins littéraires d'une très grande finesse, d'une très grande poésie, même parfois, si c'est possible, en traitant de tels sujets, si c'est possible. Et j'aurai le plaisir d'échanger avec lui aussi autour de son travail d'écriture. Mais bien sûr, avant d'arriver à ce roman, Piranha, j'aimerais, si vous voulez bien, Roberto, que nous retracions un petit peu votre parcours, ce parcours qui a fait que vous êtes là aujourd'hui avec nous et qui vous a fait devenir l'écrivain et le journaliste qu'on connaît désormais mondialement, un parcours qui vous aura valu bien des déboires et des désenchantements, mais qui ne vous aura pas, qui n'aura pas altéré votre combat, ça c'est certain. Roberto Saviano, vous êtes né en 79 à Naples, d'un père médecin et d'une mère institutrice. Vous avez fait des études de philosophie. Et très prosaïquement et très simplement, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avez-vous fait le choix de ces études de philosophie ? J'ai le sentiment que ce n'est pas un hasard et que ce n'est pas indépendant du contexte dans lequel vous avez grandi. Est-ce que je me trompe ? Ah, giusto. Non me l'hanno mai chiesto perché mi sono laureato in filosofia, mi sa che è la prima volta. Grazie. E, in realtà, crescendo a Napoli,
La filosofia te la senti addosso. Giordano Bruno, il filosofo che viene bruciato vivo nel 600 a Campo dei Fiori, Tommaso Campanella, l'eretico che scrive un libro che si chiama La città del sole, cioè il tentativo di creare l'utopia della città giusta e perfetta. Quindi non credo sia un caso, la mia voglia di studiare le idee, credo nei momenti più bui della mia situazione sia stata fondamentale per salvarmi e allo stesso tempo per capire la realtà che mi aggrediva, dove avesse origine. Oui, alors c'est juste, ce n'est pas un hasard. Et je dois dire que c'est la première fois qu'on me pose cette question. On ne m'avait jamais demandé rien concernant mes études. En fait, je dirais que quand on grandit à Naples, quelque part, la philosophie, on l'a collée à soi. Donc Giordano Bruno, évidemment, qui a été brûlé en 1600, Tommaso Campanella, qui a écrit un livre, La ville du soleil, où il raconte justement cette utopie de créer une ville juste, idéale. Donc non, effectivement, ce n'est pas un hasard si j'ai fait des études de philosophie. Mon envie d'étudier les idées a été fondamentale, notamment dans les moments les plus sombres, pour quelque part trouver le salut, disons, et pour comprendre la réalité. Vous avez dit dans une interview que vos parents vous ont aidé à éviter les griffes de la mafia à Naples, si je ne me trompe pas, en tout cas j'ai lu ça quelque part. En quoi, si c'est le cas, votre famille vous a aidé, protégé? Et en quoi ce pourrait être un exemple pour d'autres familles? On le verra tout à l'heure avec certains des personnages de votre livre. On a le sentiment que certains d'entre eux ont des parents qui pourtant font tout pour empêcher leurs enfants de tomber dans les griffes de la mafia et ils n'y arrivent pas toujours. Qu'est-ce que vos parents ont réussi que ne réussissent pas les parents de vos héros? Allora, in realtà la cosa è un po' più complessa, cioè non basta una sicurezza economica e una famiglia normale a salvarti dalla scelta mafiosa. Nel senso che io sono cresciuto in un territorio dove le mafie avevano un potere economico così forte che cercavano anche, cioè, voglio dire, nella borghesia, cioè non è che i professori, medici, ingegneri, chimici non fossero mafiosi. Questa è la parte poi continua. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que de grandir dans un contexte de sécurité économique ou dans une famille normale n'évite pas forcément le fait de tomber dans des mécanismes, disons, mafieux ou dans la mafia. C'est plus compliqué que ça, parce que j'ai grandi dans un endroit où la mafia, justement, va chercher ses ressources, pour ainsi dire, même dans la bourgeoisie, donc même dans des familles de médecins, d'avocats ou de professionnels. Quindi quello che la famiglia può fare è sottrarti da un meccanismo di perenne competizione che ti porti a entrare da colletto bianco in un'organizzazione, cioè diventare facilmente un loro imprenditore, un loro avvocato, un loro, no? C'è un'espressione che è all'origine, linguistica, che è all'origine di tutto questo, no? La mafia siciliana si definisce cosa nostra. Si intende, no? Nostro. Il nostro e il loro è fondamentale, no? Per capire. Ecco, la mia famiglia mi ha dato degli strumenti in grado di reggere a questo. Il rischio non era quello di diventare uno spacciatore delle loro piazze. Il rischio era assai peggiore. Diventare una loro figura, un appartenente alla classe vincente, un assessore, un medico loro.
En fait, ce que la famille peut faire, c'est d'éviter de te faire vivre ce mécanisme de compétition, disons. D'éviter justement que tu deviennes un entrepreneur, un avocat, un professionnel pour eux, quelque part. Alors, il y a cette expression, évidemment, de la mafia sicilienne qui se définit comme Cosa Nostra. Cosa Nostra, en italien, ça veut dire notre chose. Donc, évidemment, il y a cette opposition, ce dualisme entre ce qui est à nous et ce qui est à eux. Donc, ce que ma famille a réussi à faire, c'est me donner les outils contre ça. C'est-à-dire que le risque que je courais éventuellement, ce n'était pas celui de devenir un dealer, tout simplement, mais évidemment, de devenir un médecin, un professionnel à leur service. Et ma famille a évité cela. Alors, vous faites une carrière de journaliste, d'abord. Est-ce que le choix de ce métier est lié déjà, c'est-à-dire que déjà dans votre tête, vous êtes en guerre, si j'ose dire, avec la question de la mafia, ou vous devenez journaliste par passion, par vocation, et vous trouvez cette cause sur votre chemin parce que c'est inévitable ? En réalité, j'ai eu une scelta di, da lettore, cioè il mio primo passo verso la scrittura in realtà è la bibliofilia, inizio a, come adesso, a divorare talmente tanti libri che la mia dimensione ideale era quella di stare schiacciato tra due pagine di un libro. Però in realtà, la verità è che io inizio a scrivere proprio per questo, cioè per come hai detto, perché quando avevo 16 anni ammazzano un prete del mio paese, Don Peppe Diana, aveva 30 anni e io adesso sono diventato più grande di lui, incredibile, che ne ho 39. E questo mi genera dentro una rabbia infinita, cioè come se gli organi interni mi esplodessero. E quindi mi dico, mi giuro, mi vendicherò. Non è nobile la vendetta, ma io scrivo per vendetta. En fait, j'ai eu tout d'abord un choix de lecteur, pour ainsi dire, parce que mon premier pas vers l'écriture a été celui de dévorer des livres. En fait, ma dimension idéale est celle d'être littéralement écrasée entre deux pages d'un livre. Et puis il y a eu un épisode quand j'avais 16 ans, un curé, le curé de mon village qui s'appelle Beppe Diana a été tué, il avait 30 ans, quand je pense qu'aujourd'hui je suis plus vieux que lui parce que, puisque j'ai déjà 39 ans, je ne peux pas le croire, et cela a déclenché en moi une colère infinie, c'est comme si tous mes organes avaient envie d'exploser à l'intérieur de moi, donc c'est là que j'ai eu une idée, ça a été celle de « je vais me venger ». Je sais que ce n'est pas très noble pour ainsi dire, mais j'écris pour me venger. Alors, vous écrivez dans des journaux, dans de très nombreux journaux, à partir, je crois, de 2002. Et puis, en 2006, c'est un tremblement de terre que j'imagine vous n'attendez pas, puisque vous publiez Gomorra, que tout le monde connaît. 2006, ce livre qui est une enquête sous forme de roman, une enquête en immersion au cœur de la mafia napolitaine, où vous allez raconter les coulisses, le mécanisme de cette société criminelle que tout le monde connaît sans en parler et que vous, vous allez dévoiler noir sur blanc dans un livre. Une question qu'on a dû vous poser mille fois, mais j'aimerais quand même l'entendre de votre bouche. Est-ce qu'au moment où vous écrivez ce livre, vous avez conscience de ce qui vous attend ? Est-ce que vous êtes dans une démarche kamikaze, on va dire ? No, non ero cosciente, neanche un po'. Erano usciti tanti libri su questo argomento e quindi pensavo di fare qualcosa di unico, è vero, come stile intendo, ma di non creare una caccia a me, né di subire una condanna, né di generare tutto questo clamore. E non lo immaginavo e quando accade non riesco più a controllarlo. Non, j'en étais pas du tout conscient, pas du tout.
Plusieurs livres avaient déjà été écrits sur ce sujet, donc je pensais en effet que j'étais en train de faire quelque chose d'unique, mais plutôt dans le style. Je n'imaginais absolument pas que ça allait déterminer une condamnation contre moi, ni que ça allait générer tout ce que ça a généré. Pas du tout. Et non puoi più tornare indietro. Esplode tutto. Io avevo 26 anni. Arrivo alla stazione di Napoli perché in quei giorni ero a Pordenone e nel nord Italia. Scendo alla stazione di Napoli, una macchina dei carabinieri, la polizia italiana, mi viene a prelevare, mi portano in una caserma e da lì mi danno una protezione. Allora io entro un po' in ansia, nel senso dico, ma perché quest'auto, questi uomini intorno a me? E all'epoca il maresciallo mi disse, ma è questione di poche settimane. E sono passati 11 anni. Et en fait, une fois que ça se déclenche, tu ne peux plus revenir en arrière. Tout explose. J'avais 26 ans et je me souviens d'un jour, j'étais de retour d'un voyage dans le nord d'Italie. Je reviens à la gare de Naples et dès que je descends de mon train, il y a une voiture des carabiniers qui m'attend. Ils m'amènent à la caserne et c'est là qu'on me communique qu'ils m'attribuent une protection policière. Donc évidemment, je suis pris un peu d'anxiété. Je demande pourquoi. Et on me rassure, on me dit ça va durer que quelques semaines, et en fait ça fait 11 ans que ça dure. Alors dans Gomorra, vous parlez du port, vous commencez le livre Gomorra par une description du port de Naples, et vous dites c'est une blessure grande ouverte, et c'est une expression qui m'a beaucoup frappée parce que en même temps on sent une immense tendresse et un grand amour pour votre ville natale, et en même temps dès l'ouverture du livre, vous la dévoilez comme blessée. Pourquoi vous employez cette expression de blessure grande ouverte? Est-ce que ce ne serait pas le cas de tous les ports du monde? Dipende, nel senso che la ferita, la parola ferita su Napoli ha un particolare significato. C'è uno scrittore che si chiama Raffaele La Capria che ha fatto un libro che si chiama Ferito a morte e si riferisce proprio a Napoli, che è una città che non ti ammazza ma ti ferisce a morte, cioè, è anche in senso positivo, cioè ti lascia una traccia, un taglio da cui esce e entrano cose, quindi non lasciano indifferente, non, nulla si rimargina in quella città. Tutto è passione, sangue, infezione, emozione. E sul porto, aspettate, Luci, vedo questo, se no. Alors, ça dépend en fait, parce que oui, blessure est un mot, effectivement, un mot qui me fait penser à Naples. Il y a un écrivain qui s'appelle Raffaele La Capria qui a écrit un livre qui s'appelle Blessé à mort, et il fait référence à Naples dans ce livre, justement, parce que Naples, c'est une ville qui ne te tue pas, mais qui te blesse. Où il y a cette blessure toujours ouverte, effectivement, et même au sens positif, c'est-à-dire c'est une ville où rien n'est indifférent. Tout est émotion, tout est passion, tout est sang, tout est ouvert, ça ne se soigne jamais. Sul porto, dicevo, è vero, ogni porto potrebbe essere la ferita di una città, o al contrario, l'occasione, lo spazio aperto. Su Napoli è una ferita, la descrivo così, perché è lo spazio dove iniziano a scaricare una valanga di merci, non false, ma merci che devono arrivare e non essere sdoganate, cioè devono arrivare senza le tasse doganali, così che i prodotti potessero arrivare nei negozi a un prezzo più basso. E oggi questo è un pensiero incredibile perché le merci possono arrivare, gli esseri umani no. Le merci hanno nei porti un accesso incredibile. Un ultimo dettaglio.
tutta la cocaina che arriva in Francia arriva via Porto, tutta la cocaina che arriva in Italia arriva via Porto, sostanzialmente. Sapete perché è difficile fermarla? Non perché pagano i funzionari, anche, ma in misura minore. Non passa, cioè passa così tanto perché i porti non possono rallentare. Più controllano, più diventano porti non concorrenziali. Più controlli le merci, più i porti non funzionano e quindi le compagnie non li vogliono. Quindi velocissimo, grande libertà alle merci, nessuna libertà agli uomini. Oui, par rapport au port, c'est vrai que chaque port pourrait être la blessure de la ville, ou inversement, chaque port peut être une occasion pour sa ville. Alors dans le cas de Naples, effectivement, ce qui se passe, c'est que le port est l'endroit où on décharge une quantité énorme de marchandises qui doivent arriver, c'est ça la caractéristique, sans impôt de douane en fait. Donc aujourd'hui c'est incroyable de penser à ça, de penser que les marchandises ont un accès très facile et pas les êtres humains par contre. Par rapport à la cocaïne qui arrive en France ou en Italie, elle arrive à travers les ports, via les ports. On peut se demander pourquoi c'est difficile de l'arrêter. Pas seulement parce qu'on paye les fonctionnaires, ce qui est le cas aussi, mais ce n'est pas exactement ça. Ce qui est vraiment le plus important, c'est que les ports ne peuvent pas ralentir leurs activités. Il faut que ça aille vite, parce que sinon, ils ne sont pas compétitifs par rapport aux autres ports, et donc les entreprises ne les choisissent pas comme ports d'arrivée pour leurs marchandises. La question de l'économie est omniprésente, notamment dans votre roman, puisqu'il est toujours question, évidemment, de pouvoir, mais aussi d'argent. On comprend que ce sont les deux maîtres mots de cette mafia qui gouverne cette ville. Alors, à Naples, on va en venir à votre roman Piranha, Roberto Saviano. À Naples, il y a un phénomène qui semble être de plus en plus courant, que vous avez constaté et dont vous avez fait un roman, c'est que les membres de la mafia sont de plus en plus jeunes. Vous racontez dans Piranha le destin d'un groupe, d'un baby gang, comme on dit, un gang de petits jeunes, qui ont entre 10 et 19 ans, si je me souviens bien, dont le chef a 15 ans, et qui vont aller à la conquête de la ville avec une extrême violence. On pense notamment aux enfants soldats, hein, quand on voit la mentalité qui les habite. Et vous allez raconter l'ascension fulgurante et aussi la chute de ce groupe de jeunes. Alors, d'abord, première question, c'est un roman, certes, mais est-ce que vous vous inspirez de faits réels ou non ? Completamente si ispira a fatti reali. Io non riesco mai ad avere una, diciamo, immaginazione di fantasia perché la realtà la supera di gran lunga. L'elemento narrativo del libro è il montaggio, le linee di storie. Quello sì, come anche nella mia serie Gomorra, prendiamo dalla storia vera e la montiamo in forma narrativa. E, ed è una storia incredibile, cioè a un certo punto mi imbatto su questi ragazzini dai 10 ai 19 che per 4 anni dominano una delle organizzazioni più potenti del mondo. Ci sono sempre stati bambini nelle organizzazioni criminali, ma non ai vertici. E allora non potevo, non avevo voglia di usare il metodo usato sino ad allora, cioè sino a quando ho scritto Piranha, cioè il metodo non fiction novel, cioè stile narrativo ma metodo saggistico. Volevo entrare in questi bambini, non volevo solo fermarmi rispettosamente al perimetro della loro carne. Oui, complètement, en fait. Je n'arrive pas à
voir dans l'imagination, dans la fantaisie, quelque chose qui, quelque part, qui m'inspire plus. C'est-à-dire que la réalité dépasse l'imagination, la fantaisie. L'élément narratif, pour ainsi dire, c'est le montage, c'est-à-dire ce que je fais avec les faits que je raconte. Mais de la même manière que dans ma série Gomorrah, c'est une histoire absolument inspirée de la réalité. Et d'ailleurs, c'est une histoire incroyable quand on pense voilà, que j'ai su de cette histoire d'un groupe de jeunes voilà, entre 10 et 19 ans qui pendant 4 ans ont pu contrôler une des organisations les plus puissantes de la mafia. Ça, ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des enfants dans ces organisations criminelles, mais pas à leur sommet. Et ça fait la différence par rapport à cette histoire. Donc je ne voulais pas faire de la non-fiction. Dans ce cas, avec ce livre, je voulais vraiment entrer dans les personnages et ne pas m'arrêter aux frontières des personnages. Je voulais vraiment les voir de l'intérieur. Oui, c'est ça l'avantage de la littérature, c'est qu'on peut prendre des libertés pour entrer dans l'émotion, dans l'affect des personnages, notamment ce personnage qui s'appelle Nicolas, donc qui est le chef du gang, un personnage très très charismatique. On sent que vous allez très loin dans la réflexion sur ses émotions, sur sa manière de voir le monde, la vie, l'amour. C'était une manière d'être vraiment en immersion finalement, la fiction. Sì, mi ha permesso di mischiarmi a loro, di provare a entrare nelle loro teste. Tutto il dialogato, per esempio, io lo riprendo montandolo in maniera diversa dalle intercettazioni telefoniche. E, gran parte delle storie le ho scoperte perché negli atti giudiziari sono raccontate dalle intercettazioni, dagli interrogatori, dai pentiti. E diciamo, la potenza letteraria è quella di renderti parte di questo gruppo. Cioè, io non so se ci sono riuscito, ma lo lettore dovrebbe, leggendo questo libro, essere parte di questo gruppo di bambini e dirsi, wow, non è diverso dai bambini che conosco, non è diverso dal modo di stare al mondo, di tutti. Solo che loro per ottenere soldi, per distinguersi, per ottenere di essere qualcuno, lo fanno con le armi, lo fanno col narcotraffico. Ma la logica è la stessa. Oui, j'ai vraiment voulu me mélanger à eux, entrer dans leur tête. Par exemple, tous les dialogues qu'on retrouve dans le livre, ils viennent directement des écoutes téléphoniques réelles. Les histoires que je raconte dans ce livre, je les ai découvertes dans les dossiers judiciaires. Donc la puissance littéraire de ce livre est celle de faire de toi une partie vraiment de ce groupe. Donc je ne sais pas si j'ai réussi dans cet objectif, mais l'idée était celle que le lecteur se dise ces enfants ne sont pas différents des enfants que je connais, ne sont pas différents de ce que je vois, mais eux, ils ont cette envie de gagner l'argent, de gagner de l'argent, de gagner du pouvoir et de se distinguer à travers l'art, les armes et la drogue. Alors, on va en parler dans un instant de cette fulgurance, de ce rapport au temps qui est très différent chez ces jeunes et qui est peut-être un des maux du siècle aussi, de la jeunesse, c'est-à-dire que tout doit arriver très très vite. Mais juste avant, je voudrais quand même, si vous le permettez, lire un petit extrait. Nicolas, donc ce personnage principal qui est le chef de ce gang, est un très bon élève en fait, à sa manière. En tout cas, il est brillant. Il pourrait être un bon élève, et il est passionné, je vous le donne en mille, par Machiavel. Et non seulement il est passionné par Machiavel, mais il a très bien compris Machiavel, sauf qu'il récupère Machiavel pour en donner sa version. Interrogé en classe, il va donc donner sa version du prince de Machiavel, et si vous le permettez, je vais lire un extrait. Donc c'est Nicolas qui parle. Nicolas avait relevé le défi et à présent, il racontait à sa façon le début du chapitre 17 du prince. Quand on veut être le prince, on s'en fout si le peuple a peur et on s'en fout d'être aimé. Si on est aimé, c'est parce que tout va bien. Mais dès que les choses tournent mal, ces gens-là vous baissent tout de suite.
Il vaut mieux être un champion de la cruauté que de la pitié. Il a paru se concentrer sur cet instant et du regard, il a cherché une forme d'approbation autour de lui. Mais peut-être avait-il seulement oublié ce qu'il voulait dire. Il a lentement passé un doigt sur son manteau. De Marino aurait voulu revoir aussitôt ce geste mélange de timidité et d'arrogance. Personne ne fait profession de pitié. Où avait-il trouvé cette expression ? Profession de pitié. Puis il a continué en scandant les mots avec intensité. L'amour est un lien qui se brise. La peur n'abandonne jamais. Nicolas a fait une autre pause. Il s'est tourné, montrant à ma tante son profil à examiner. Sous cet angle, l'arrogance s'effaçait. Il avait des traits délicats. C'était encore ceux d'un enfant. Si le prince a une armée, cette armée doit rappeler à tous que c'est un homme terrible, absolument terrible. Sans ça, l'armée ne reste pas unie. On doit se faire craindre. Et les grands exploits viennent de la peur qu'on inspire, de la manière dont on la communique. C'est l'apparence qui fait le prince, et l'apparence, tout le monde la voit, tout le monde la reconnaît. La réputation le précède. Sur ce mot, il a baissé les yeux pour la première fois, et il est resté un peu ainsi, comme pour dire qu'il avait fini. Alors, c'est comment, monsieur ? On la met sur YouTube ? Alors, je m'arrête sur cette phrase, parce qu'elle est aussi au cœur de votre livre. Ces enfants qui veulent tout, tout de suite, très vite, l'argent, le pouvoir, le respect, comme ils disent, jouent beaucoup avec les réseaux sociaux, ça participe à leur image. Est-ce que vous avez le sentiment que Internet a aggravé les choses ou c'est simplement une suite logique de ce qui leur arrive ? Tutti abbiamo l'impressione che Internet abbia peggiorato le cose. E in realtà in questa storia di Machiavelli, che anche questa è ispirata a un fatto vero, questi ragazzini sono tutti brillanti, ahimè mettono la loro intelligenza al servizio del peggio, diventano anche sanguinari. E immaginatevi i ragazzini qualsiasi, figli di famiglie in difficoltà, un padre professore di educazione fisica, chi ha il padre ha una piccola palestra di quartiere, la lavanderia, quindi piccola borghesia in difficoltà, come succede, no? In molte parti d'Europa. E loro che si avvicinano con una strategia semplice, cioè in realtà non tanto semplice, per governare una grande organizzazione come quella camorristica. Adesso ve la spiego. Oui, en fait, on a tous l'impression qu'Internet a empiré les choses. Il faut penser que ces jeunes, ils sont tous très, très brillants. Seulement, ils ont mis leur intelligence au service de ce qu'il y a de pire, quelque part. Imaginez des jeunes vraiment quelconques, des jeunes qui viennent de familles de petite bourgeoisie en difficulté, fils d'un professeur de sport, propriétaire d'un pressing, mais voilà, petite bourgeoisie en difficulté. Et eux arrivent à s'approcher avec une stratégie apparemment simple, en fait, pas si simple que ça, pour arriver voilà, au sommet d'une organisation criminelle. Allora, un gruppo di ragazzini capisce che l'unico strumento con cui fai soldi è la coca. Dettaglio, 1.000 euro in azioni Apple valgono 1.200 dopo un anno, 1.000 euro in cocaina dopo un anno ti tornano 182.000 euro. Ok, quindi con 5.000 euro in cocaina tu hai 1.000.000 di euro. Ok. T'as vu ce détail? Oui, en fait, voilà, pour ce groupe de jeunes, le seul outil pour faire de l'argent est celui-là. Je vais vous expliquer, vous donner un chiffre. Quand on a 1000 euros d'action Apple, par exemple, on a à peine plus au bout d'un an. Par contre, si on a 5000 euros d'investissement, pour ainsi dire, dans la cocaïne, un an après, on aura 1 million d'euros. Ok, quindi loro hanno bisogno di gestire la coca. Come si fa? Hanno bisogno di armi. A chi le chiedono? Le vanno a chiedere alle famiglie perdenti, cioè quelle rinchiuse, sconfitte, che hanno un po' di armi, hanno ancora un po' di droga, ma la possono soltanto vendere chiusi in qualche piccola piazza. Vanno da loro e dicono: dateci le armi.
Noi vogliamo iniziare a conquistare il centro di Napoli. Cosa? Sì. In cambio vi vendiamo la vostra droga, ma la dobbiamo gestire noi. Prendono, lo fanno, e come vincono il mercato? Semplice. La droga che vendono, la vendono a un prezzo bassissimo e si curano che sia di alta qualità. Così si prendono tutto il mercato. Lo chiamano il metodo Google. Prendi il mercato. Come c'hanno tutto il mercato, alzano i prezzi. Alors donc voilà, c'est comme ça qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de gérer le marché de la cocaïne en fait. Donc ils se demandent comment faire. Pour faire cela, ils ont besoin d'armes. Donc leur stratégie va être celle-là. Ils vont entrer en contact avec des familles camorristes, disons battues, qui sont obligées de se cacher, qui ont gardé quelques armes et de la drogue, mais qui ne peuvent plus gérer ces trafics toutes seules. Donc ils se rapprochent de ces familles et ils leur proposent de prendre leurs armes, et en échange, ils proposent de vendre leur cocaïne. Donc ils disent, donnez-nous les armes et en échange, on va vendre votre drogue. En fait, ils décident donc de conquérir le centre de Naples à travers cette méthode. Avec la drogue qu'ils obtiennent à travers ces familles, ils vendent à un prix très très bas de la drogue de très bonne qualité. Donc c'est ce qu'ils appellent la méthode Google, c'est-à-dire conquérir le marché avec des prix très très bas, et à partir de là, seulement une fois que le marché est conquis, augmenter les prix. Alors c'est ce que va faire Nicolas avec son équipe. À partir du moment où ils vont se lancer dans cette conquête, ils vont vouloir créer leur propre famille, parenza comme vous dites. D'ailleurs le titre du livre, le titre italien est Parenza dei Bambini, donc la parenza des enfants. C'est devenu Piranha, mais c'est tout aussi symbolique en français. D'ailleurs, c'est traduit par Vincent Renaud, je tiens à le préciser. Donc, ils vont créer leur propre famille, et pour cela, ils vont créer des rites initiatiques. Ils vont sceller leur famille, leurs règles à travers la loi du sang. Il va falloir tuer, il va falloir faire ses preuves. Et en lisant votre livre, au bout d'un moment, on oublie qu'ils ont 10, 12, 14, 15, 19 ans et qu'ils sont presque pires finalement que ces anciens mafieux dont ils ont voulu prendre la place. Mais ils ont, semble-t-il, un avantage, si j'ose dire, sur les plus anciens. C'est qu'en fait, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de mourir. Et ils ont ce point commun, semble-t-il, avec d'autres organisations criminelles, c'est-à-dire cette idée que, de toute façon, il faut mourir jeune, sinon on n'a pas réussi dans la vie. C'est un peu ça, l'idée. Proprio così. I bambini sono notoriamente ferocissimi quando diventano guerrieri. Nella Cambogia di Pol Pot, nella Sierra Leone, nella Liberia degli anni Ottanta, i bambini dell'ultima generazione dell'SS a difesa di Berlino, il bambino non sente la morte minacciosa, quindi è spietato. I miei paranzini, dico miei perché mentre scrivevo o li ascoltavo mi sentivo impotente, avrei voluto trovare una strada per tirarli via da una condizione in cui volevano stare fino in fondo. Continuamente dicono, per esempio, anche oggi si usa così, no? Quando devi giudicare un uomo come codardo, come uno che dice quello ha tenuto paura e morì, quello ha paura di morire, no? Il napoletano. Oui, tout à fait. En fait, les enfants, ils sont féroces. C'est bien connu. L'exemple des enfants guerriers au Cambodge, ou alors même les enfants de la dernière génération des SS qui étaient chargés de défendre Berlin, c'est bien connu. Les enfants guerriers sont absolument féroces. Et les enfants, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sentent pas la mort comme une menace. C'est ce qui les rend cruels, le fait de ne pas avoir cette notion de mort comme une menace. Mes protagonistes, je dis mes parce qu'effectivement, pendant l'écriture du livre, j'aurais
que voilà, au moment où je connaissais leurs histoires, j'écoutais, j'aurais voulu les arracher de ce destin qu'ils ont pourtant choisi. Voilà, il y a une phrase qui montre bien la manière de définir quelqu'un de lâche chez eux. Voilà, c'est de dire il a peur de mourir, pour dire que quelqu'un est lâche. Però loro non considerano quello che fanno un rischio. Cioè, la morte non è un rischio del mestiere, eh? È parte del mestiere, cioè devi morire. Ma sai, invecchiare è la cosa peggiore che possa esistere per loro. Significa dover risparmiare, risparmiarsi, progettare. Tutte cose che il nostro tempo non permette più. E nessuno di loro, come dire, immagina di poter avere un lavoro regolare, tutto a nero, dove ti pagano a 3 mesi, a 5 mesi, se sei barbiere, se sei meccanico, se sei geometra, no? E quindi loro rispondono come interpreti del loro tempo, cioè chi è disposto a morire, e tra l'altro subito, è disposto quindi anche a vivere una turbovita. Il loro simbolo di turbovita, per esempio, è entrare da Foot Locker, che è il loro mito assoluto come negozio, entra da Foot Locker, e quando il commesso gli chiede che scarpa vuoi, una di tutte le scarpe che tieni, è la risposta, no? Questo è il loro grande obiettivo, vero? Oui, voilà, ils ne considèrent pas la mort comme un risque. La mort, ce n'est pas un risque, mais c'est quelque chose qui doit arriver et qui doit arriver vite. Ils n'ont aucune considération positive de l'idée de vieillir avec tout ce que vieillir entraîne, le fait de voilà, faire des projets, d'économiser, etc. Notre temps ne le permet pas. Ils ne sont pas capables d'imaginer un travail normal, un boulot normal, disons, parce que tout se fait, voilà, tout est travail au noir, avec des contrats, ou soi-disant contrats de 3 mois, pas au-delà. Donc, voilà, ils sont tout simplement, dans ce sens-là, des interprètes de leur temps. Et donc, celui qui est prêt à mourir, il est prêt aussi à vivre une vie très intense où tout est donné tout de suite. Je vous donne un exemple. Quand ils rentrent chez Foot Locker, par exemple, qui est un peu leur magasin préféré, et typiquement, voilà, le vendeur leur demande comment je peux vous aider, qu'est-ce que vous voulez, leur réponse est je veux une paire de tout ce que vous avez. Alors, ce qui est aussi frappant, on voit dans vos personnages leurs références. Il n'est pas question d'idéologie. Leurs références, c'est les super-héros des Marvel. Ils s'y réfèrent en permanence. C'est le film Le Parrain, c'est les Affranchis. À tel point que parfois, quand ils ont affaire à des vieux parrains de la mafia napolitaine, ils se rendent ridicules parce qu'ils ont des codes vus au cinéma et que le parrain lui dit « Mais pourquoi tu veux me baiser la main ? C'est ridicule. » Et l'autre pense que c'est une marque de respect. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils vivent aussi un peu comme dans un jeu vidéo, dans une espèce de fantasme qu'ils ont créé, qu'ils ont rendu réel par la violence, mais qui en réalité est un monde parallèle qu'ils se sont inventé. Il cinema, io vengo accusato sempre, no, di ispirare violenza nei ragazzi. Incredibile, perché sarebbe come dire che chi racconta il male diffonde il male. È esattamente il contrario. Ah, se il male affascina è naturale questo, e non lo nego infatti, io lo però cerco di smontare questo fascino, non di nasconderlo, perché tanto c'è. Tutte le storie dove c'è morte, vita, violenza, creano attrazione. E poi come usi quell'attrazione, secondo me, il compito artistico. Un'opera è buona o cattiva non se ha fatto star bene il lettore, lo ha migliorato eticamente. Io il lettore non lo voglio far evadere, lo voglio invadere, lo voglio far stare male, lo voglio far respirare e poi gli voglio togliere il fiato. E nei miei libri non sembrano esserci storie di speranza, perché per me la speranza è il lettore, la lettrice. I libri esistono perché ci sono le donne, in realtà il numero è incomparabile, il mercato è quasi tutto femminile, e la cosa mi colpisce perché spesso gli editori credono che le donne leggano solo libri d'amore, no? E in realtà
dati alla mano, la maggior parte dei testi più complicati, intendo filosofia, saggistica, documentaristi, testi documentaristi, sono tutti letti da donne, no? Tornando e chiudo, è come, uso questa immagine, è come se ci fosse una stanza buia. Io entro, accendo la luce e si vede un cadavere e ce la si prende con la luce. Oui, alors par rapport au cinéma, effectivement, je suis souvent accusée d'inspirer la violence chez les jeunes. C'est tout à fait incroyable, parce que raconter le mal, ça ne veut pas dire créer le mal. Après, bien sûr, je ne dis pas qu'il y a une espèce de fascination qui peut se faire à travers le cinéma, mais ce que je veux faire, moi, c'est de le démontrer et non pas le nier. Le fait de nier le mal qui existe déjà n'aide pas dans ce sens-là. Donc je pense que le devoir artistique, ça réside dans la manière dont on utilise cette fascination quelque part, ce qu'on fait avec. Donc moi, je ne veux pas divertir mon lecteur, je vais l'envahir, je vais le faire respirer et puis lui enlever le souffle quelque part. Donc on me dit souvent qu'il n'y a pas d'espoir dans mes livres, ce n'est pas vrai. Alors pour moi, l'espoir, c'est mes lecteurs et mes lectrices, parce que évidemment, on sait très bien, les statistiques le disent, que la plupart des lecteurs, en fait, c'est des femmes, c'est des lectrices. Et les statistiques disent aussi que les femmes, contrairement à ce qu'on pense souvent, ne lisent pas que des livres d'amour. Quand on va voir les statistiques, voilà, les textes qu'on pourrait définir les plus compliqués, de philosophie ou autre, voilà, c'est plutôt les femmes qui les lisent. Donc, quelque part, je vous donne une image, c'est comme dire que s'il y a une chambre noire et qu'on allume la lumière et qu'il y a un cadavre et que la faute, c'est à la lumière. Alors, comment est-ce que vous expliquez, il en est question dans le livre, et vous en avez aussi parlé dans les interviews, comment vous expliquez la fascination de ces jeunes pour les djihadistes ? Il arrive même qu'ils crient Allahu Akbar, alors qu'ils sont très très catholiques, comme chacun sait en bon napolitain. Ils sont fascinés par les djihadistes. Pour quelles raisons ? Quelles sont leurs valeurs, si j'ose dire, communes, en tout cas leurs idées communes ? Loro adorano Daesh perché ammazza in maniera spietata bambini, donne, uomini, spara alla schiena, importa niente, ammazza, mette paura, basta, fine. E questo è sufficiente, il loro mettere paura per essere attratti, perché il capitale della paura è l'unico capitale che loro hanno e che una volta che lo mettono in pratica, che lo spendono, ne hanno un ritorno di immagine, le persone hanno paura di loro, di soldi, tanti, di rispetto, di eros. Un sacco di donne hanno, di ragazzine sono attratte da loro. Quindi a un certo punto io nel libro insceno un dialogo che avevo sentito, che ho tratto da alcuni commenti che avevano fatto loro, i sopravvissuti che avevo incontrato. E cioè, quando il capetto, Nicolas, detto il Marajà, dice ISIS sono grandi, dopo il Bataclan, no? Si fanno crescere la barba. Un altro dice, chi ce l'ha, perché quasi nessuno di loro ha l'età della barba. Uno di loro dice, ma come? Sono dei codardi, cioè questi hanno sparato gente disarmata, donne, ma è una, non c'entrano niente con noi, no? Lui dice sì, però tengono le palle, perché tutti hanno paura di loro. Dice sì, ma che ci azzecca, questi vogliono mettere gli stracci intorno sulla testa delle donne, no? Dice, ma che non importa, ma ha ucciso bambini. Allora lui fa, ma perché sono bambini tuoi? Ecco il punto. No, e allora? Qua c'è l'etica paradossale, criminale, cioè, che è molto moderna, cioè giudica le persone solo in base a quello che ti hanno fatto, sempre. Non giudicare mai le persone per sentito dire, per quello che fanno, no? Ad altri. Giudica, ti hanno fatto del bene, le giudichi bene. Ti hanno fatto del male, le giudichi male. Non ti hanno fatto né bene né male, non li giudichi.
Oui, alors c'est vrai, ils adorent Daesh parce que Daesh, ça tue sans pitié, ça tue sans faire la différence au hasard, ça tue des enfants, des femmes, ça tue un tyran dans le dos et que ça fait peur. Donc cela suffit effectivement à créer une fascination. C'est le capital de la peur, c'est le seul capital qu'ils ont et qui donne un retour important pour eux. C'est le retour d'image, le retour d'argent, de pouvoir, de femmes même, parce qu'il y a beaucoup de filles jeunes qui sont fascinées par eux. Dans le livre, par exemple, il y a un dialogue qui est révélateur à ce sujet. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment entendu. Ça s'est vraiment dit entre les jeunes qui ont survécu dans cette histoire et que j'ai rencontré. Quand Nicolas dit, après la tuerie, les attaques du Bataclan, que l'ISIS, c'est bien et que du coup, voilà, pourquoi ne pas se faire pousser la barbe, évidemment, voilà, pour ceux qui ont de la barbe, vu leur jeune âge, ils se disent, mais pourquoi ils ont fait ça. Enfin, il y en a qui disent, mais c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Dans le groupe, ils répondent à Nicolas en disant, c'est n'importe quoi, c'est des lâches, ils ont tué tout le monde, ça n'a rien à voir avec nous. Et Nicolas répond non, au contraire, ils ont des couilles, tout le monde a peur d'eux, donc ça suffit à provoquer l'admiration. Ils ont tué, et l'autre jeune continue, il insiste, il dit mais comment tu peux dire qu'ils sont admirables alors qu'ils ont tué n'importe qui, ils ont tué des enfants. Et voilà, c'est justement l'éthique criminelle qu'on voit là, parce que Nicolas répond oui, mais est-ce qu'ils ont tué tes enfants? Donc voilà, ça explique tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est juger les gens seulement sur la base de ce qu'ils t'ont fait directement. S'ils t'ont fait du bien, tu dois les juger bien. S'ils t'ont fait du mal, tu dois les juger mal. S'ils t'ont rien fait, tu dois t'abstenir de les juger. Ces jeunes qui ont tant de points communs avec des jeunes de partout, de par le monde, c'est-à-dire que ici aussi, il y a des enfants qui veulent tout très vite, mais en général, c'est plutôt... je ne sais pas, devenir chanteur, faire beaucoup d'argent, certes, mais pas forcément en passant par le fusil. Qu'est-ce qui différencie ces jeunes napolitains? C'est le contexte, c'est le fait, c'est l'opportunité. C'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'il y a un terreau particulier qui fait que avoir 10, 12, 14 ans, c'est plus dangereux à Naples qu'ailleurs? C'è una particolarità ovviamente di Napoli, difficoltà economiche, alcuna speranza di crescita attraverso l'impegno, c'è ma è molto piccola, perché se tu vedi una strada, cioè, faccio un esempio, questi ragazzini avrebbero potuto fare qualunque cosa, ma che so, a chi piace riparare motori o a chi piace fare il programmatore... E uno di loro è uno smanettone al computer, vedono intorno solo precarietà, disoccupazione, sentono solo dire non ci sono più soldi, non ci sono più soldi, non ci sono più soldi, quindi non hanno proprio speranza. Sono molto attivi però, non sono depressi, ma non è una questione napoletana, se andate a vedere tutte le organizzazioni criminali, le banlieue francesi per esempio, l'età media è bassissima dei vertici, non era così 10 anni fa. Cioè, in Francia non proprio come in Italia, ma c'hai ventenni, diciottenni, diciassettenni, ventiduenni. Quindi in realtà è una tendenza un po' universale di tutte le periferie del mondo. Dettaglio. C'è un gruppo che mi piace un sacco, francese, si chiamano i PNL, cantanti rapper, e hanno fatto un video... visto da milioni e milioni e milioni e milioni di persone, credo quasi 100 milioni, che si chiama Le Monde Orient, e girato a Scampia di Napoli. Ed è un testo in francese, anzi nel francese nello slang di periferia, girato a Napoli. Perché? Perché la periferia è una, con le stesse regole, con le stesse disperazioni, con la stessa logica, è una, da Manila a Napoli. Thank you.
Alors oui, Naples a peut-être une particularité, c'est évident, on ne peut pas cacher la difficulté économique, le fait qu'il n'y ait aucun espoir de réussite par l'effort, par le travail en fait. Alors dans le groupe dont je parle, il y en a un qui est passionné d'informatique, etc., mais il ne voit que du chômage autour, il ne voit surtout voilà, aucun espoir. Mais cela dit, ce n'est pas une question uniquement napolitaine quelque part. Quand on regarde la France aujourd'hui aussi, en France, le sommet de certaines organisations criminelles est aussi composé par des jeunes, de très très jeunes. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Alors peut-être pas comme en Italie, pas à ce point-là, mais on parle quand même de jeunes de 20 ans au sommet. Donc c'est la même tendance dans toutes les périphéries. Par exemple, je vous donne voilà, un exemple. Il y a un groupe français qui a écrit une chanson donc en français, et ils ont pourtant tourné la vidéo à Scampia, c'est-à-dire dans la banlieue de Naples. C'est une vidéo qui a eu 100 millions de visualisations sur Internet, donc c'est évidemment énormissime. Et voilà, c'est une chanson en français, même pas en français, en argot des banlieues quelque part, mais il est tourné à Naples. C'est une manière de dire que toutes les périphéries se ressemblent quelque part et qu'il y a de partout la même logique, les mêmes codes. Roberto Saviano, aujourd'hui, on le sait, vous vivez sous surveillance. Votre vie est totalement bouleversée. Vous ne pouvez pas, comme chacun d'entre nous, tranquillement aller vous poser en terrasse à Naples et boire un café. Ça n'est plus possible pour vous. Pourtant, vous continuez à vous battre. Vous vous êtes engagé sur cette voie difficile mais importante d'un combat contre le crime organisé. Vous le faites à travers des livres, à travers une série télé, Gomorra, qui a été adaptée de votre livre, le film aussi qui est sorti, des documentaires. Comment travaillez-vous aujourd'hui? Comment faites-vous pour recueillir vos informations? Comment pouvez-vous communiquer avec les gens qui peuvent vous donner le matériau pour pouvoir continuer à être le journaliste et écrivain, investigateur que vous êtes, et continuer votre combat? Paradossalmente, la mia situazione mi mette così vicino alle fonti, intercettazioni, processi, possibilità di intervistare direttamente questi criminali, che attenzione, non è che hanno voglia di farsi intervistare da me, ma spesso mi parlano con aria di sfida, cioè adesso finalmente scriverai la verità dopo che mi hai incontrato, smetterai di scrivere le tue cazzate. E quindi da un lato mi manca la strada, dall'altro ho molta prossimità con le informazioni. E vivere ovviamente blindato è terribile, perché non ti hanno né ammazzato ma né lasciato vivere, quindi non sei né morto né vivo. E la cosa più pesante è dover, io sono 11 anni, sono protetto, e dover giustificare la tua vita, cioè ma come, non sei morto, ma allora non sei a rischio. E quindi dici, ma che senso, cioè, dovrei morire per essere credibile? Ecco, Falcone, Giovanni Falcone, il giudice ucciso da Cosa Nostra, lo diceva sempre: l'Italia è il paese felice dove solo da morti si è credibili. Alors paradoxalement, aujourd'hui je suis plus près des sources, parce que j'ai accès évidemment aux dossiers judiciaires, j'ai accès aux écoutes téléphoniques, je peux aux interviews, je peux interviewer directement ces protagonistes, ces criminels. Alors, ils n'ont pas forcément envie de se faire interviewer par moi, mais c'est un peu un défi pour eux. Ils ont l'air de dire, voilà, je vais te dire, je vais te raconter ma vérité, comme ça tu vas arrêter de dire tes conneries. Mais bien sûr, c'est vrai, je n'ai pas accès à la rue, disons, au terrain dans ce sens-là, mais voilà, je suis plus proche d'autres sources. Évidemment, tout cela est terrible de vivre comme ça, de vivre blindé depuis 11 ans et sous protection, parce que si d'un côté, voilà, on ne m'a pas tué, de l'autre, on ne m'a pas laissé vivre non plus, je ne suis ni mort ni vivant.
Et quelque part, il m'arrive aussi de devoir, la chose la plus difficile, c'est celle-là d'ailleurs, peut-être de devoir presque justifier ma vie. Alors on te regarde, hein, l'air de dire quelque part, mais comment t'es pas mort, c'est-à-dire que t'es pas vraiment en danger, alors si c'est comme ça, comme si il fallait mourir pour être crédible. Alors il y a Giovanni Falcone, le juge italien qui a été tué effectivement par la mafia, qui disait cela, il disait l'Italie est ce pays heureux où il faut se faire tuer pour être crédible. Alors, en même temps que la parution de ce vraiment fabuleux roman, Roberto Saviano, Piranhas, est à nouveau publié Gomorra en livre de poche avec une préface inédite que j'invite tout le monde à lire parce qu'elle en dit long sur ces dernières années que vous avez vécues. On va vous retrouver dans un instant en dédicace. Si vous le permettez, pour conclure, je vais vous citer avec un passage à la fin de Gomorra. Vous dites... En terre de Camorra, connaître les mécanismes de domination des clans, leurs moyens d'enrichissement, leurs circuits d'investissement, c'est comprendre comment fonctionne notre temps, partout, et pas seulement sur un territoire circonscrit. S'opposer aux clans devient une guerre pour la survie, comme si la nourriture qu'on mange, les lèvres qu'on embrasse, la musique qu'on écoute et les pages qu'on lit ne donnaient pas un sens à la vie, mais seulement à la survie. Connaître n'est donc pas un engagement moral, savoir, comprendre est une nécessité. La seule chose qui permet de sentir qu'on est encore un homme digne de respirer. Merci beaucoup Roberto Saviano pour cette dignité dont vous faites preuve et merci à vous tous. Grazie. Grazie. Roberto en dédicace ici.